Bonsoir. Go Isaac. La dernière fois, c'était pas très bien passé. On n'avait pas fait des games extraordinaires. On était mort deux fois d'affilée avec Sanson. On avait quand même validé Boss Rush Hush et. Attends. Et The Lamb. On s'était raté sur. Une fois sur The Hush et une fois sur. Méga Satan. Du coup, on va jouer un perso que j'ai pas du tout envie de jouer, histoire de continuer ma série de défaites. En jouant FV2. Perso horrible. Donc en gros, je peux utiliser mon Sanctorium. Ah non, plus je tire, plus ça va me donner des petits potes qui tirent avec moi. Là, il m'en a donné qu'un seul, non j'en ai deux. J'en ai trois, mais si je me fais toucher, et si je Sanctorium, je les récupère. Sanctorium, pardon. Oh là là. Oh, elle est à chier ce perso, on n'a pas de dégâts, on s'emmerde. Oh là, j'ai pas envie de jouer ça. Oh, ça va être bien. Ça va être une bonne première game, ça. Je le sens bien, je me suis déjà fait toucher deux fois. Ah, évidemment, au départ, on commence avec un de tir rate. Et le but du jeu, du coup, c'est de réussir à accumuler un ensemble de petits potes là. Ah oui, et on a une curse quand on est à. Sais pas donc trop comment ça marche. Oh, ça sent pas bon. Hein. On a vraiment envie de la jouer celle-là. Je sais pas comment ça marche la curse là, comment on fait pour l'avoir. Chaque fois que je tombe à 0,1 demi cœur. Oh. Vas-y, décède. Oh. Il a aucune portée. Ah non, oui, sinon je voulais pas le. Besoin de cœur rouge, je pense que je vais reroll la pièce. Les pièces. On va voir. Y a quoi là? Absolument rien. Absolument un cœur bleu. C'est la merde dans laquelle je suis. Je pense qu'on fait ça et on tente ça. Ouais. Très bon objet. Hein. Excellent. J'aurais dû acheter le cœur rouge en fait. Oh là là là. Putain, mais quel perso de merde! C'est dingue quoi! Oh aïe 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 aïe. Faut vraiment pas se faire toucher. Ok, j'ai un demi-cœur gris, ça devrait le faire. Ça va être largement suffisant. C'est vraiment horrible ce personnage. Pourquoi ils l'ont rendu aussi faible que ça? Avant, apparemment, il était fort, mais. Ils l'ont nerf et maintenant c'est vraiment une catastrophe quoi. Oh, je suis là, je sais pas. Je suis pas du tout enfermé. Oh là là là. Oh, ça va être long. Ça m'énerve pas du tout déjà. On commence sur une bonne run. Faut vraiment pas prendre de dégâts en fait quoi. Oh, les petits copains là qui débrouillent. Que du coup quand on en a plein ça commence à devenir un peu fort mais il faut réussir à les garder quoi. Ça fait one tap par n'importe quoi. Enfin, puis dès qu'il rentre en contact là il risque de crever. Oh, si j'arrive à en gagner une, enfin, le boss rush avec elle. Oh, oh.
me fait mal rien que d'y penser. Pourquoi ils l'ont rendu aussi nul à chier ce perso? Comment tu veux que je boss rush? T'as vu le temps que je mets à clear une salle? Tout pété quoi. Ouais, allez, on y croit. Voilà, poète. Pas de ressources, pas de vie, pas de dégâts. C'est vraiment extraordinaire ce perso. Qui n'aurait pas envie de jouer FV2 quoi. Ok, rate. Petit D4. Attends, le D4, ça reroll tous mes objets, mais si je le fais quand j'ai rien, ça fait rien. C'est efficace. Content d'avoir eu encore cette merde en premier objet. Normalement je joue no reset, mais là avec ce perso je sais pas si je vais réussir à la tenir. C'est tout sauf fun quoi. J'aime bien les personnages durs mais qui sont forts. Genre The Lost V2, ok, mais tu peux jouer quoi, tu t'amuses tant que tu crèves pas. Alors que là, tu t'amuses zéro quoi. Regardez-moi ça les dégâts. Y'a rien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec ce personnage. J'ai perdu tous mes potes là. J'aurais dû crever là-dessus. Je peux même pas clean les mouches quoi. Mais c'est l'enfer quoi, c'est vraiment l'enfer. L'envie est tellement pas là quoi. Quand même un tiers up ça peut être ok. Là je suis presque mort je pense. Ouais. Je veux bien que tu lâches s'il te plaît. Pourquoi il veut pas lâcher ma carte là? Mon trinket? Bon bah. T'as pas envie, allez. Fais ce que tu veux le jeu. Je veux pas lâcher mon trinket. Ah ça y est. Hop. Pas de consommable. Va être longue cette salle. Non mais je suis coincé, je peux rien faire avec ce perso, c'est infâme quoi. Pourquoi ils l'ont rendu si faible? FV1 elle est bien quoi.
Enfin, franchement, j'ai plus envie de jouer The Lost, quoi. Même Jacob V2, il a des dégâts, au moins, quoi. Perso, de l'ennui, quoi. Moi des troll bombes le jeu là, j'ai besoin de bombes, de quelque chose. Heureusement que j'ai chopé les petits caca là parce que pour cette salle ça aurait été compliqué. Je peux pas faire grand chose en vrai. J'aurais dû crever, j'aurais jamais dû faire demi-tour là. Allez, redonne-moi des tiers up. Oh, ça m'énerve. Pas de ressources, pas de bombes, rien du tout. J'ai pas envie de la jouer. Il y a un peu de cœur rouge, ça va un peu mieux, mais... Faut que je boss rush avec ce perso, quoi. Tenter là. Dommage. Allez nourrir. Même salle infâme que tout à l'heure. On a un peu plus de potes donc ça va. Ah, c'est mal. Ah, on peut les regrouper. Non, il m'en a tué un. Oh, il les a tous tués. Non. Oh. Ils sont tellement fragiles. Minutes, j'ai même pas fait deux étages. Qu'est-ce que tu veux, boss rush avec ce perso, quoi?
C'est vraiment la dernière grosse difficulté qui va me rester, je crois, sur le jeu pour le finir à fond, c'est ce personnage. Il n'y a rien du tout dedans, quoi. Wouhou! Hop, qu'est-ce qu'on peut trouver comme objet cool? Pas du tout ce qu'on recherchait bien, hein, mais tant que j'ai pas de tier rate, ça va être très compliqué. Hein. Plus que des dégâts, je pense que c'est vraiment les tier rate qu'il faut trouver avec le perso. Obligé d'aller voir la bibliothèque, je pense. Ça veut pas la bibliothèque, la chambre. Je sais plus comment elle s'appelle cette salle d'ailleurs. Jamais. Il y a peut-être une échelle de corde. Oh non, elle est sale. Il y a Raid là-dedans? Bon, je teste. Hein. Allez. On va jouer Godroom parce qu'on n'a pas le choix. J'ai plus de clé donc je peux pas aller vers Mother. Elle était tellement agressive sur... Je me suis trompé de carte. Ils sont invincibles aussi ou pas? Non, ils sont même pas invincibles les potes. Mais c'est vraiment nul. Le perso est à chier, mais vraiment à chier, quoi. Du coup, j'ai sacrifié, mais... En vrai, ça peut être pas mal, ça. Parce que si ça me rend de la vie à chaque fois... Enfin, pas Mother. Pas de clé. Tuer un, bientôt deux, c'est bon. Ah, quand on a plein de potes, ça commence à être un peu marrant, mais tellement dur. Il meurt tellement facilement. Ils sont trop fragiles, quoi. Parce que là, je les perds. Mon build, c'est quand même 1,68 de tir rate, 4 de dégâts. Et y a rien quoi. Voilà, mon Angel Room dans le cul. On va aller voir les bouquins. Pour se rendre compte que si j'avais passé cette salle, j'aurais pu avoir... Je sais pas si je prends plus les dégâts ou... Si j'arrivais à boss rush, ça serait bien d'avoir le bouquin, mais j'irai jamais jusqu'à là-bas dans les temps. Ni qu'on jouait pilule. On y va. Ils sont où tous mes potes là? Ils sont tous morts. Faire. D'où la clé? Ils sont où les bombes? Pas une troll bombe depuis le début alors que j'ai le trinket qui me permettrait d'avoir plein de bombes. Pas de clé.
Compliqué, hein. Là, il a décidé d'aller jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû attaquer celle de gauche d'abord. Il me faudrait le vol, il me faudrait des clés, il me faudrait des trucs, là il se passe rien. Mais qu'est-ce qui... C'est obligé, hein. Il faut des clés. Hein. J'avais pas vu le truc derrière. On va vider les cœurs. Eh bien, on va pouvoir go planétarium, hein. Pas de clé. J'ai une bombe, mais pour savoir où elle est, la secret là. J'ai une chance sur deux. Elle peut être en dessous ici. Ou à droite. Gauche ou droite? Ouais. Oh. En fait, avec ces persos-là, t'as tellement peu de marge de manœuvre pour influencer le jeu. Dans le sens, t'as pas de reroll, t'as pas de ressources en plus au départ. Pas accès aux pièces qui vont bien. Lui ça devrait aller parce que comme il y a beaucoup de larmes, il va pas pouvoir avancer jusqu'à nous. 9% c'est 100%. Ça c'est bien. Beaucoup trop lent mais... Mais c'est bien. Plus de bombes. Ça, faut le laisser faire ses troll bombes. Fais des troll bombes. Merci. Plus. Troll bombe. Ouais. J'ai tellement besoin de ressources. Je vais le laisser faire. J'aurais préféré un cœur, mais... Un cœur gris. On va dire que c'est bon pour les bombes. Je sais pas... De toute façon, les objectifs de temps, c'est mort. Donc, tant qu'à faire... On pourrait tenter The Beast, si j'arrive à avoir un build. Oh, shop ouvert. Et j'aurais plus besoin de bombes, de toute façon. Vu que je suis en galère de clés, je pense qu'on va partir plutôt là-dessus.
qu'on a vu la pilule Tears Up, on va essayer de chercher les pilules. Ok, tant que j'ai ma horde de bonhomme, ça va. J'ai mon planétarium. Ça, c'est un peu de choses. Mars, évidemment. Pas tout avoir. En vrai, je pourrais presque faire ça après s'il me reste des bonhommes. Il me reste des bonhommes, c'est bien ça que j'ai dit. Hop, un cœur de plus. Ok, ça peut partir sur une game qui se passe pas trop mal. Ça peut. On a bien râlé comme il fallait. C'est mérité. Magic Mush, ça donne des stats bonus à tout sauf sur le tir rate, c'est ça? Et un gros multiplicateur de dégâts. Ça nous heal à fond en plus. Ok, donc il y a moyen d'en faire quelque chose de cette run. Encore une fois, les objectifs timés, je pense que c'est mort. On pourrait essayer The Hush peut-être en fonction de... venir chercher le cœur après. On pourrait aussi, j'aurais pu aller voir la salle aussi, j'ai un peu déconné. On reprend ça pour les troll bombes. On met un coup. Là où j'ai des bombes, je cherche même pas la secrète. C'est malin. On peut vraiment faire quelque chose de cette run. On va voir en termes de temps, mais je pense que ça va partir sur The Beast. Probablement. Les clés. On a les ressources. Ça y est, la game a décollé sur cet étage là. Il se passe des choses. On pourrait même partir sur du Devil Deal en vrai. Maintenant qu'on a plein de cœurs.
cherche toujours des pills. Aval, aval, aval. La Godroom, elle est où là? Super secrète qu'on peut chercher. Je vais aller faire l'autre ange. Je pense. Là, faire des choses. Pièce de 10. Oh, Bob's Brain, c'est non. Non. Non, non, non. Oula, j'aurais dû me le prendre ça. Putain, mais je le sais, quand il croise pas les ailes, c'est qu'il tire en face. Hop. Allons-nous-en. Je sais pas s'ils sont plus forts les bonhommes bleus. Ils tirent des plus grosses larmes mais... Non. Ouais, je pourrais faire méga Satan. Enfin, Satan, méga Satan, espérer un délirium. Je sais pas si c'est plus. Si c'est meilleur que de tenter The Beast là. Donc je sais pas trop. Il faut arriver jusqu'à là, encore une fois. J'ai un bon build, mais si je perds mes potes, ça sera compliqué. On peut les perdre si vite. On peut aussi espérer une Mama Mega, hein, on sait jamais. Hein. Un gros malentendu. J'ai à 100%, ça sert à rien de les péter, si pour l'argent. Je sais pas si dans les flammes violettes il y a des chances de cœur gris aussi ou pas. Donc je me suis jamais trop posé la question. On va encore trouver du tier rate. J'aurais pas dû. Hop. Faire de la place. Quit. Quit. Put. Bon, c'est pas la meilleure salle avec mon build actuel. Attends, pour aller chercher le boss rush avec lui, ça va être tellement compliqué.
cooling. C'est où que j'ai essayé? C'est en bas? Non. Là. Tellement pas le temps. Ça s'en va. Nous avons. Je suis trompé de bouton. Il est grand cet étage. Flemme. Oh, encore plus la flemme. Quand tu veux que tu prends tes dégâts, merci. Oh là, c'est non. Pas trouvé ma salle de treasure, je crois. Toute la map. Allez. Heureusement qu'on a eu Magic Mush dans le tas. Hein. Dans les champis. Parce que sinon... on serait quand même bien au fond. Mathieu mon bonhomme. Allez, un bon item de Godroom, c'est ton moment. Encore? Putain, mais je l'ai à toutes les games, par contre je vais perdre... Ah non, c'est bon. Je l'ai à toutes les games en ce moment. Ça fait un truc en plus ou pas? Est-ce qu'ils font tous des lasers? Non. Il n'y avait pas de raison particulière. Bah let's go. C'est toujours pas si je pars The Mist ou... Omega Satan. Ah mais du coup ça décale mes potes. Ce moon inversé, c'est sale rouge ça. Enfin, toujours plus d'activables que j'utilise pas. Hein. Merci le jeu. Hein. Enfin, j'oublie du coup. Oh, un super shop. Un shop bonus ou c'est le shop normal? Non, c'est le shop normal. BFF, ça marche avec eux? Oh. Oh oui. D'armes, bien sûr. Pourquoi je puisse double puberty? De toute façon, je suis pas sûr que je voudrais.
Je voulais l'envoyer de l'autre côté, mais il y a eu un souci. C'est quoi, Depth 1, là? 2? 30 minutes. Bon, bah, j'irai pas de Hush, a priori. J'ai envie de tenter, juste parce que si je peux valider... Mais si j'ai la chance d'avoir... d'avoir Delirium, je pense qu'il faut que j'essaye. Gemini. Un gros Gemini. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma Soul of... Isaac. Elle est là. Je peux aller là, j'ai un cœur bleu à récupérer. On sait jamais. Ah non, on peut pas être là. La secret. J'ai perdu tous mes copains. Bah, elle est où cette secrète là? Bonne question. Bonne question. Rien d'autre à acheter. Je peux remplir ça. Faire un peu de luck. Non. Pas de luck, pas de luck. Let's go. Hein. C'est la même rouge, donc elle va taper souvent. Allez, on tente, j'espère, je vais tenter Méga Satan, je pense. De toute façon, maintenant j'ai plus le choix, mais... C'est ce que je voulais faire, de toute façon. Let's go! Méga Satan Delirium, ça serait bien. Créer un peu de gris, comme ça je pourrais récupérer mon cœur gris quand même. Hop. Ouais, ça marche bien. Luck, on prend toujours. Oui.
Let's go. Oh, du tier rate. On a besoin tellement. Je sais pas combien elle est capée en tier rate. Notre ami FV2. Oh, pas eux. J'aurais mérité de le manger, celui-là. Ah, carré le laser. Est-ce que je cherche secret et super secret? On peut essayer là. Est-ce qu'elle peut pas y être? Est-ce que j'ai envie de me balader de fou? Non. On va avancer comme ça. Espérer la Godroom. Pas la Godroom. Ça, je pourrais le reprendre après. En vrai, le Ouija truc là, c'est pas si mal. Hein. Je pense. Et ça me manque quand même de pas pouvoir traverser là. J'ai combien de luck? 1. Je sais pas si je le prends. En vrai, je peux prendre ça. Je récupère un cœur. Et que j'ai familier boosted, on va tenter comme ça. Aucun risque. Quoi faire? Je vais pas pouvoir garder le cœur blanc. Concentré. Non. Tirer à travers les obstacles, c'était vraiment indispensable en vrai. Allez perdre un cœur gris là-bas, tant pis. Un peu dangereux la Soul of Apollyon parce que je vais pouvoir me faire exploser par les mouches. Ça peut augmenter mes chances de Devil Deal. J'ai pas de raison de tenter ces coffres-là, je pense. Pour l'instant, j'ai rien du tout de guppy, donc il croit zéro.
Je la connais. Je la connais pas. Hérophant inversé, c'est des cœurs. Cœurs squelettiques, mais j'ai pas la place. Allez. Let's go. J'ai perdu pas mal de petits bonhommes. Curse of the Unknown. On va Sanctorium souvent, comme ça. Sanctoriumisation. Faut ne pas essayer. C'est jamais. Petite secrète, Erki. Une tout Mother. Tout moi. Quoi il sert lui déjà? Si je le protège, il se passe un truc? On va essayer. Et qui a fait qui est mort? C'est mon petit pote qui est mort déjà? Ça a compté comme un dégât, Sanctorium? Je vais regretter Guppy, tu vas voir. Je vais en avoir 2 sur 3. Oh non, pas les moutons. Bah oui, mais... J'aurais dû utiliser mon objet avant. J'ai perdu un cœur bleu bêtement, là. Mais bon. J'ai espéré le récupérer là, j'avoue. Que j'y croyais. Non. Allez, on arrive vite. J'ai perdu 2 cœurs que j'aurais vraiment pas dû perdre. Je pourrais faire ça du coup. J'avais pas d'autres cœurs rouges qui traînaient. En vrai, je peux toujours le faire, hein. Ces deux tapes. Non, c'est non, c'est toujours non. J'ai pas de quoi reroll. Donc on est d'accord que c'est 2 cœurs squelettiques. Hein. Je les remplirai jamais, je peux les prendre. Quoi qu'en vrai, je sens le thorium là. Ils sont.
si j'arrêtais de faire n'importe quoi, normalement. Mais... pourquoi je lui fais pas de dégâts? Merci. Conjoint aide à un moment? Non, pas encore. Oh, elle est chiante cette salle. Quand ils sont pas beaucoup, quand même chaud. Hein. J'ai grill parce que je voulais tuer lui très vite. Donc j'ai essayé d'attendre pour lui faire les dégâts et... et voilà. Oh pourquoi ça tire en diagonale, j'ai pas fait exprès. Aïe aïe aïe. Pourquoi je joue pas ça là? Hein? Alors que je l'ai à disposition. Pourquoi je joue pas comme il faut? Ils vont être dans le sol. Ça va, eux. C'est pas trop chiant. Gigabombe. Bleu, je suis content. Putain, pas les moutons. Là, je vais pas aller assez vite, c'était sûr. Je vais pas utiliser. Toujours la garder pour le boss. Je peux pas la reroll. Par contre, je peux le prendre. Il faut trouver une marque au sol qui va bien. Mais dans ce, dans ces niveaux-là, je sais pas si on a en vrai. Pas de marque au sol. Hein. Peut-être dans les secrets, si on a. Et en plus j'ai pas le bon objet sur moi. Je m'en suis pas aperçu. Je monte toute la puissance de mon gameplay. Hein. Puissance limitée. S'il y en a un qui vient sur ma ligne là. J'espérais le tuer mais c'est... pourquoi il est... Comment ça se fait qu'il est pas mort plus vite quoi? Putain je prends cher. Pas les cartes dont j'ai besoin. Je vais en prendre tout de suite, je pense, parce que. Regroupez-vous là. Il y a de délirium. Pourquoi je suis allé aussi vite dans la salle suivante?
Ils sont combien hein? Ils sont beaucoup trop. Heureusement que j'avais le shield. Hein. Oh! Perdu tous mes copains. Qu'est-ce qui m'a touché? Putain de merde. J'ai trouvé la secrète, toujours pas. Je vais compléter la dernière salle et aller voir Méga Satan, mais ça va être chaud quoi, j'ai pas de vie. J'ai oublié de recharger. Non. Oh, c'est tellement dommage. C'est bien, mais c'est trop tard. Faut absolument que je trouve la secrète. Et c'est en haut, mais je suis passé à gauche, je crois. Donc là, il y a des marques au sol. Je vais revenir pour aller. Je me fais toujours déboîter dans les derniers étages. Je joue pas assez safe, j'ai l'impression que c'est. Que je peux one tap toutes les. Tout le monde. Et c'est faux. Ça marche pas. Mais là si normalement. Ok, il n'y a pas de sous-étage, mais il pourrait y avoir des échelles quand même. Ah, peut-être qu'ils les mettent pas parce que potentiellement il y a des chemins vers le black market. Peut-être pour ça. Bon. Carte. Prendre Death, ça peut peut-être servir sur les groupes de boss pour Méga Satan, mais. Ça va être chaud, hein, franchement. J'avoue que j'y vais pas très serein. Oui, les gars. Oh, mais je le vois pas! Nick! Un dégât sur des bombes alors que j'avais le trinket. Anti-bombe. De dégâts. Elle aime bien me laserifier en ce moment, le bro. Ouais. C'est son kiff.
Un spawn. Je bique pas le pattern, donc non, pas de risque. Je comprends pas le pattern. Je l'abîme ou pas son masque là? Non, pas trop. Hein. Oh putain, la vitesse des saloperies. Bah touché. Allez, repropose-moi des... Normalement, il me le propose forcément, non? On va essayer, de toute façon ça coûte rien, je suis pas sur tentative de streak ou quoi que ce soit, donc on va y aller. Mais en l'état actuel, c'est compliqué. Curse of the Unknown, je connais pas ma vie, oh, c'est horrible. Surtout avec ce perso, je l'essaie. Pourquoi j'ai... Attends. Pourquoi je tire deux fois? Pourquoi j'en tire deux? Ah, c'est mon petit bonhomme. Tant qu'il crève pas, il fait ça. Ouais, mais de toute façon, je suis obligé de Sanctum Royaume parce que je sais pas combien j'ai de vie, quoi. Ah, c'est con, il est fort, le petit bonhomme. Donc elle peut pas être là, c'est sûr. Oh, mais non, mais pas deux fois. J'aurais dû attendre un tout petit peu, je pense. Il y en a deux, là? Je l'avais pas tué, le premier? Je l'ai pas vu. Blanc, mais ça sert à rien. De la range, on fout un peu du slip. Non, garde un reroll, quoique sur Delirium j'ai besoin de tirer de loin. Faut que je vérifie à fond les cœurs bleus aussi. Dommage de cette figure cède un peu. Plus une carte de TP. C'est ça qui serait important là. Triple boss là. En bas, ça peut pas être lui. On va aller voir en bas. Donne-moi des bons objets là. Tellement pas besoin de bombes. Théoriquement, elle peut pas être au-dessus non plus. Enfin, les trois là, ça peut pas être les trois. Parce que si c'est en haut, il touche à droite, il touche à gauche. Trois. Oh là là, mais les objets, donne-moi des trucs quoi. Ça ne sert à rien. C'est vraiment dommage hein, de se faire un peu troller par les objets. J'ai besoin de quelque chose là, c'est quand même Delirium, c'est pas...
J'ai eu quelques cœurs bleus, donc déjà ça. Ah oui, oh putain, il délirium, je vais le trouer. C'est vrai que j'ai Keeper Skin, donc quand j'irai au dernier boss, par contre, il faudrait que je sache où il est, quoi. Il faudrait casser tous les rochers de la map. Oh, mais obligé, je vais le faire. Ça va prendre longtemps, mais c'est pas grave. J'irai quand même. Une carte de TP le jeu. Petite carte de TP pour faire plaisir à papa. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Outre délirium. Pourquoi je le teste? Ça ne sert à rien, je prends des risques. C'est inutile. La secrète, elle est pas dans le coin. Samporium. Avec Keeper Skin, là, ça peut vraiment mettre très bien en vrai. Ça peut être là. Là, là. Est-ce qu'il est plutôt en haut? J'aimerais vraiment avoir la carte de TP là, ça serait vraiment important.
Bien joué ça. On va chercher les cartes de TP. Ça c'est vraiment dommage parce que si je savais où il était là, il suffirait de... Bon, il essayait les pilules mais... Pire idée. Hein. Bon bah assez vite je peux passer les deux premiers et après là. Allez, on se déclenche tous les deux en même temps. Y'a pas envie. Nos cards. Alors, est-ce qu'il peut être en bas? En bas, il peut pas y être. Donc on va aller sur celui-là. Cœur noir, hein, mais bon. Pas été gâté sur les items. Qu'est-ce que je fais là? Je le tente où? Alors attends, oui, 13 de large. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il peut pas être en haut non plus théoriquement. Et en hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il peut être... Ah si, il pourrait être en hauteur, il pourrait être en haut là. Ah. J'ai commencé à péter tous les rochers que je vois et puis... Une salle où il y avait plein de cœurs de trucs rouges dans Womb. C'était avant. La 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 la. Mmh. Ça va être la fête. Lequel je tente en premier? Je pense pas qu'il soit à gauche là, on va essayer. Il y est tant pis et j'espère quand même gagner. T'avais toujours plus de bombes hein. Pourquoi? Je pense qu'il est en haut à gauche. Je vais m'en prendre un. Faire quelques araignées tout ça. Ah
Ah. Bookworm, c'est bien ça. Il m'a montré quoi là? Rien. Va parcourir jusqu'en bas et je pense qu'il est. Qu'il est en haut à gauche. Donc sur le passage, on va refaire quelques araignées. Ça devrait aller Delirium, là je suis plutôt confiant. Dommage de pas savoir combien j'ai de vie. Je pense que si les araignées elles arrivent à le toucher pendant qu'il n'est pas protégé là, c'est moyen de faire un petit trou. Allez, on y va. Ah, il est pas mort, putain. Si je me prends une tarte sur ça, je vais te dégager. Les pires objets. C'est fou. Non, mais quand on regarde la liste, heureusement que j'ai eu BFF, Révélation, Mushroom. Et après, il y a eu 10 000 objets que qui me servaient pas, quoi. C'est dingue. Que de la bonne de mer, quoi. J'ai plus de potes, il me les a tous tués là. Ah ouais, j'ai quasiment plus de potes. Peut-être que j'aurais dû utiliser mes bombes sur Delirium, mais. Donc, je suis pas sûr de toucher avec. Il me reste 4. Bon, il m'en restera plus. Une image. Allez, let's go. C'est mon moment. 1h10 de game. Mort deux fois avant de commencer. J'enchaîne les morts, mais les persos. Hein. Charge et c'est parti. Oh oui, les araignées, c'est maintenant. C'est quoi qui fait que les trucs explosent partout hein? C'est quoi? C'est toutes les tous ces machins qui explosent? Il est où? Bon, j'ai pas du tout les dégâts. Ça va être chaud. Prochaine fois qu'il se transforme, je pense que je mets mon shield et je me mets au corps à corps. Il est où? Je vois pas. Transforme-toi une fois en ta grosse tête là que je. Putain, je suis en train de me prendre trop cher. Vas-y, shield et puis on va essayer de le corps à corps là, mais. Oh, te TP pas. De ressentorium là. Je sais pas combien j'ai de vie donc c'est un peu dur de. J'ai eu.
L'enfer. Oh. Oh là 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 là. Tellement content que ça soit fait, ça. Un 137 secrets, officiellement plus que 100. Ah, et puis on a fait un beau morceau ce soir, hein, parce que... En vrai, quand on regarde ce qui reste, je pense que c'est le plus dur, quoi. Parce que Magdalene V2, ça va. Kane V2, ça va être chiant pour les objectifs timés. Judas, ça va. Il reste les objectifs timés de Eve qui vont être infâmes. Sanson, ça va. Lazarus B2 va être chaud. C'est peut-être aussi dur que Eve. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va être drôle. Enfin, ce perso-là, je l'aime bien. Que je perde ou que je gagne, au moins, je m'amuserai. Apollyon, c'est fini. Forgotten, bah, les objectifs timés, quoi. Pareil pour Bethany. Et dans les V1, normalement. Il reste quoi? Judas, Sanson, où j'ai réussi à mourir deux fois la dernière fois. Lazarus, Eden, c'est tout. Et Apollyon. Et Forgotten. Il y en a encore pas mal. Mais bon, on a bien avancé. C'est cool.